Non mais dis-moi toi. Oh. Alors, l'Ithildine qui est juste là au passage. Pléiade. Noren. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça c'est quoi? Les alliés? Les élus? Ah, c'est une mission Eltariel ça, pardon, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait encore une mission Eltariel. Je croyais qu'on en avait fini avec ça. Alors, d'abord la mission de Celebrimbor. Kourou, Celebrimbor respectait l'instinct de chasseur des Karagor, même si lorsque ceux-ci étaient sa proie. Revivait sa plus belle chasse au Mordor en tuant tes Karagor à l'arc. Ouais, pourquoi pas. Kourou, lorsque mon armée traversait le Mordor, j'ai senti mes instincts. Arrête de la péter, Celebrimbor, t'as perdu face à Sauron. Arrête. Arrête. Wow. Alors, évitez de vous faire toucher, j'ai déjà perdu. Je peux pas la recommencer directement, non? Non? Bon, bah, alors. Donc, j'ai des flèches. Triompher des trois Karagor avec des tirs à la tête. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Allez, debout. Et de 1. Et de 2. Au-dessus, très bien. Et de 3. Et de 4. Ah, bien joué. Et voilà. Alors, le seul problème, c'est que je me suis fait toucher au début. Alors, on va recommencer. Je veux les finir à 100%. Kourou, lorsque mon armée traversait le Mordor, j'ai senti mes instincts guerriers s'affûter. Ah, attendez, j'ai l'impression que le live... Ah, non, c'est bon. Je crois que le live avait un petit bug. Alors, pardon, pardon. Ah! Couché! Oh non, mais. Ah, et ça a pas compté. Oh fuck. Y'a vraiment pas un moyen de recommencer si je quitte la zone, peut-être? Voilà, on réessaye. Bon, c'est chaud hein, parce qu'en fait on se fait attaquer dès le début. C'est pas si évident que ça. Allez, on réessaye. Ta 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 ta. Nya. 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 Ouais, alors, si en plus je loupe mes trucs. Voilà, et de 1. Et de 2. On va juste aller prendre des flèches. Bon, de toute façon, on a tout le temps qu'on veut, après tout, on n'est pas obligé de se presser, hein. Et de 3. On évite toujours de se faire toucher. On attend que le Kourou se recharge. Les autres Karagor sont là-haut, après tout. Ici, regarde par là. Bon, tu veux pas regarder, tant pis pour toi. Voilà, 4 et un petit dernier. Et de 5, voilà. Dans le Mordor, le rusé prospère et l'idiot périt. On devient l'esclave du rusé jusqu'à ce que celui-ci n'en ait plus. Toi, j'ai quelque chose à te demander. Oh tiens, d'où ils sortent ceux-là? D'où ils sortent ceux-là? Bon, bah, ok. Je sais pas d'où ils sortent, mais pourquoi pas.
Je pensais que je les avais tous. Ceci étant dit, lui, voilà. C'est celui qui garde ce campement. On va pouvoir le faire comme ça. Juste, je vais récupérer la rune. On va faire ce campement. Voilà. Au. Toi, donne-moi des infos sur lui, le seigneur des vers. Oh, il est un orc zombie. Ah ouais, lui je le veux. Ah, lui je le veux. Ah, lui je le veux, franchement. Il y a carrément des usines, moi seul qui croyais que les hangars avaient développé l'industrie. Non, non, mais Omicron, ne te fie pas à ce que tu vois dans ce jeu. Rien de ce que tu vois dans ce jeu n'est vrai, n'est cohérent avec le... voilà. Ne croyez pas ce que vous voyez dans ce jeu. Ça veut pas dire que le Mordor n'a pas d'industrie, mais ne vous fiez pas à ce qu'il y a dans ce jeu. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, des renseignements sur le dernier... D'ours le scorpion. Oh, il est stylé, lui. Ah ben, bah. On essaiera de le capturer. Allez. Pour l'instant, on va se faire le petit camp qui est là. Tac, 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 tac. Avant-poste de Gordoumi Orlou. En tuant ses archers. Ok, très bien. Plus il est moche. Ces archers ne te protégeront pas longtemps, orc. Hop. Alors, élimination par exécution. Ah ouais, bon, on verra. Allez. Hop. Hop. Ah tiens, t'es là toi. Je t'avais pas vu. Ah mais... Non, je l'ai pas. Voilà. Si tu réussis à recruter l'orc zombie, appelle-le Zombluche. Ouais, c'est clair. Le coupable me le paiera. Allez, à nous. Approche-toi du feu, tu as raison. Encore un peu. Voilà, bim. Coucou. Allez, zou. Ah, tu m'as l'air assez résistant, toi. C'est bien, ça. Bienvenue pour une raclée. Couché. Enragé par les brûlures. Ouais, c'est rien, c'est rien. Oh, bien joué. Ah, bien joué. J'ai vu trop tard. Oh, c'est bien ça. Malgré ton niveau 21, tu es plutôt balèze. Ça me plaît. Alors, attends, il y en a un autre juste là. Oh, il a des épées enflammées, lui. Bon, les deux, je les veux. Les deux, je les veux. C'était à quel point cette arme est chaude. J'ai la main qui brûle rien qu'en la tenant. Alors tu vas mourir, que j'ai pas fait ça pour rien. On se calme, on se calme, on se calme avec l'arbalète, on se calme. Allez, couché. Allez, non, non, on se calme, voilà, battez-vous entre vous, c'est très bien.
coucher. Merci. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Allez. Ne vous tuez pas, s'il vous plaît. Regardez, je suis là. Coucou. Non. Allez, allez, allez. Non, ne le tue pas. Ah non, remarque. Non, non, en fait, si, lui, tu peux le tuer. Je croyais que c'était celui avec les épées enflammées. Lui, tu peux le tuer. Aouh. Non, mais c'est pas vrai. Bon, tu sais quoi, toi? Tiens. Non. Ah, bien joué, je t'ai pas vu arriver. Bien joué. Bon, ceci étant dit, je peux te recruter, alors allons-y. Que puis-je faire pour toi, maître ? Tu t'en vas. Donc l'avant-poste, il est détruit, parfait. Par contre, lui avec ses épées enflammées, je le veux. Hein. Tu es terrifié, parfait. Parfait, parfait, tu me facilites la tâche. Oh, il est stylé son crâne. Enfin, son crâne, son casque. Ah bah parfait. Deux capitaines pour le prix d'un. Juste à prendre le coup de main. Alors ça je prends. Ça je prends. Ça je prends aussi. Hein, qu'est-ce que tu veux toi? Alors on va faire un petit point un petit peu sur les ruines, parce que j'en ai pris quand même pas mal. Même peut-être même sur le stuff aussi. Alors perd 3 points aptitude, on verra plus tard. Sur le stuff, qu'est-ce que j'ai? Une épée blanche, je m'en fous. Sur les dagues. Effectuer 3 éliminations furtives à dos de Karagor. Ça m'intéresse pas. Les arcs, arc blanc, je m'en fous. Les armures. Alors, enflammer 3 ennemis. Non, mais mon armure me suffit. Les capes. La blanche, je m'en fous. Pourquoi les blanches, je dis que je m'en fous en fait parce qu'elles n'ont pas d'amélioration. Donc ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse pas non plus. L'anneau, le blanc m'intéresse pas. Ok, parfait. Alors, au niveau des runes. Eh, hey, j'ai un petit stock quand même. Hein. Allez, on forge. Voilà, une rune qui fait 25% de dégâts avec l'arme. Parfait. Une rune qui donne 8% de vol de santé, si c'est avec l'épée, d'accord. Voilà, et là, 12% que les ennemis tués laissent des myriades. Donc, là j'ai quoi comme rune? 20% de dégâts, alors allez, 25% de dégâts à l'épée. 20% de dégâts avec cette arme, c'est très bien. 20% avec cette arme, c'est très bien. Santé accrue de 20%, ben on va l'augmenter de 25%. Donc là j'ai ma santé qui est accrue de 50%. Et là c'est toujours les capitaines reçoivent automatiquement 4 niveaux. Eh ben écoute, c'est parfait, on est bon là. Au niveau des points d'aptitude, en fait je regarde, mais vu que j'ai déjà les compétences qui m'intéressent, je vois même pas l'intérêt d'augmenter encore mes points d'aptitude, mais bon. Contre les bêtes, votre première élimination furtive enchaîne, consomme pas de concentration. Allez, contre les bêtes, pourquoi pas. Là, qu'est-ce que je peux prendre? Attire un ennemi à vous et le tue ou l'étourdit. Appuyez sur X ou Y pendant une frappe de l'ombre enchaînée pour en faire une autre. Allez, on va prendre ça. Là, qu'est-ce que je peux prendre? Déclenche un souffle de gel quand la rage elfique prend fin. Un souffle de feu. Un souffle de poison, un souffle de poison, tiens. Bon, ben là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, si je fais un petit peu le point sur l'armée, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont à moi. Donc c'est pas mal. Les chefs de guerre, je vous rappelle, on va les laisser tranquilles. Ah oui, tiens, faudrait peut-être que je prenne des infos sur le chef suprême aussi. Accessoirement. Donc là, on est pas mal. Au niveau de la map, on a exterminé 2 des campements, me semble-t-il.
Il reste donc Little Din qui est là, l'artefact et dans la grotte la mission de Celebrimbor. Il faudrait que j'essaye de prendre ces deux souvenirs d'Arachné aussi et toute la partie sud que j'ai pas encore faite. Donc là il y a une grotte, mais pour y rentrer il faut passer par là, donc autant nettoyer le camp. En fait ce qu'on va faire je pense c'est clean la zone qui est là, en plus là il y a un souvenir d'Arachné qui est caché, clean la partie ouest de la zone. Ensuite revenir par là, clean le campement, récupérer les artefacts qui sont là, faire tout le tour là, comme ça au niveau des artefacts on est bon. Et on n'aura plus qu'à se rendre au Gal... Ah mais non d'ailleurs en plus j'ai dit une bêtise, c'est pas une mission de Celebrimbor, c'est les Galgal qui sont là. Eh oui, il faut que je la trouve, mais c'est les Galgal qui sont là. Donc c'est pas une mission de Celebrimbor. Donc voilà, on fera ça, comme ça après on peut faire la mission des élus, puis la mission des alliés, et accessoirement, on ira récupérer le... Quand on aura fait l'émission, on aura récupéré... La forteresse, je vais y arriver, voilà. Bon, ceci étant dit, il commence à se faire tard, on est en milieu de semaine, tout le monde bosse, ou pas demain, mais moi en tout cas je bosse. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Visiblement, d'après ce que j'ai compris, il n'y a plus trop eu ce bug de décalage son-image, donc ça c'est plutôt une bonne chose, d'avoir réussi à régler ce souci. Et puis, bah écoutez, je vous invite à laisser le petit pouce bleu. Merci à ceux qui étaient là sur le live. J'espère que ça vous aura plu. À ceux qui voient la rediff, pareil. Je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires. Et je vous tiens au courant pour un prochain live très prochainement. Allez, à plus tout le monde et bonne soirée.